La réponse est oui. Dans les médicaments de la rue, vous avez en gros deux catégories de médicaments. La première catégorie de médicaments, c'est des médicaments qui n'ont pas obtenu une autorisation de mise sur le marché au niveau du Cameroun. Donc, les vendre donc sur le marché noir est un moyen de contourner la législation. La deuxième catégorie de médicaments, c'est ce que malheureusement vous allez aussi retrouver dans les pharmacies. Mais qui, parce qu'ils sont vendus au mauvais endroit, sont de facto de mauvais médicaments. Pour préciser ma pensée, Docteur. certains patients vont vous dire qu'ils ont retrouvé la même boîte au coin de la rue qu'en pharmacie. Et que pour cette raison, ils ne voient pas l'intérêt d'acheter un médicament plus cher en pharmacie. Ce que j'essaie donc de dire, c'est que même si par hasard, il s'agissait d'un médicament conforme, le simple fait qu'il soit vendu au mauvais endroit, c'est-à-dire au coin de la rue, fait de lui un mauvais médicament. Et ceci a des conséquences. Je vais essayer de D'en parler. d'approfondir ma pensée. Vous savez que chaque médicament a ses conditions de conservation, conditions qui sont d'ailleurs spécifiées dans la notice et également dans le dossier de demande de mise sur le marché. Lorsque les conditions de conservation des médicaments ne sont pas respectées, on s'expose à des risques pour la santé. En parlant de conditions de conservation de médicaments, le premier aspect, c'est la température de conservation. Tout à fait. Vous avez des médicaments qui se conservent à une température inférieure à 20 degrés. Vous avez d'autres médicaments qui se conservent à une température comprise entre 2 et 8 degrés, etc., etc., en fonction du produit. Donc, il faut déjà connaître les différentes conditions de conservation de ces médicaments pour placer chacun à son endroit. Lorsque donc un médicament qui doit être conservé à une certaine température ne l'est pas, le principe actif peut se dégrader. Ça nous amène au second point, après la température, qui est le degré d'humidité. Le médicament doit se trouver dans une atmosphère, en guillemets, contrôlée. Des études ont montré que lorsque l'atmosphère est humide, donc par exemple en plein air, le principe actif se dégrade plus rapidement et la dégradation de ces principes actifs-là va entraîner des sous-produits. Et ce sont souvent ces sous-produits qui sont à l'origine de beaucoup d'intoxications, de beaucoup d'allergies, de beaucoup d'accidents dus aux médicaments. Les risques sont essentiellement des risques sur la santé. Le premier risque, tout à l'heure, on a parlé des produits de dégradation. Il se trouve que ces produits de dégradation-là peuvent entraîner au niveau de l'organisme un certain nombre d'intoxications, un certain nombre d'allergies graves. Ça, c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, ces produits de dégradation peuvent aussi, par exemple, être à l'origine, ça a été prouvé, des insuffisances rénales. Comme Donc, quel produit? souvent, nous avons des maladies qui surviennent 5, 10 ans après la consommation d'un médicament,
Mais on ne fait pas toujours le lien, la corrélation entre un produit qu'on aurait consommé il y a longtemps et l'apparition soudaine d'une certaine maladie. Oui, docteur, sur cet aspect, j'aimerais un peu qu'on soit plus cohérent et plus explicite. Pouvez-vous, par exemple, nous donner le cas d'une maladie dont les causes pourraient être liées à la consommation d'un médicament ayant été peut-être mal conservé par le passé. Puisque lorsque vous nous expliquez qu'il y a des cas, des maladies qui peuvent advenir peut-être 5 ans après la consommation d'un médicament, certes, on voit bien dans notre imagerie le médicament et une maladie X. Pouvez-vous nous donner un cas un peu plus concret, plus vrai? Par exemple, nous connaissons que nous avons les malacures qui soignent le palu. Est-ce que le malacure acheté au bord de la route pourrait donner une autre maladie à un patient qui souffrait d'un départ de paludisme et qui a cru dire que lui n'était soigné, mais pourtant quelques années plus tard, il fait par exemple une insuffisance rénale. Bon, à peu près, ça, c'est dans ce sens-là que va notre question. C'est une question très intéressante. La maladie dépend déjà du produit de sous-dégradation. Vous avez parlé du malacure. Certaines personnes vont peut-être faire le risque avec la liste des médicaments retirés en Europe. Sans vouloir m'appesantir sur ce point, je veux dire que le risque est maîtrisé lorsqu'il s'agit des médicaments vendus en pharmacie. Maintenant, vous pouvez avoir un certain nombre d'intoxications au niveau du foie. Le foie peut être détruit si l'un des produits de sous-dégradation est toxique. Donc, très généralement, ces produits de sous-dégradation ont une grande toxicité. Oui. Maintenant, cette toxicité, elle peut être au niveau rénal, oui. Elle peut être au niveau hépatique, oui. Elles peuvent même être à plus long terme au niveau cardiaque. Wow. Autrement dit, le patient qui a consommé un produit, comme on vient de citer du malacure, qui a acheté probablement en bordure de la route, peut s'exposer à long terme à ces maladies. Oui, oui, j'aimerais, l'honnêteté scientifique voudrait que je sois objectif dans ma réponse. Ce risque existe également pour les médicaments qui sont vendus en pharmacie. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le risque est mieux contrôlé en pharmacie parce qu'il y a des études de pharmacovigilance qui se font après que le médicament soit mis sur le marché. Et lorsqu'on se rend compte que ce médicament est potentiellement à l'origine d'un certain nombre de maladies, on le retire du marché. Ce qui explique souvent pourquoi vous entendez parler des retraits du marché. Donc, ça c'est le cas dans un circuit contrôlé. Mais lorsqu'on sort de ce circuit-là et qu'on arrive dans la rue, déjà vous n'êtes pas sûr que le monsieur dans la rue, il a l'information selon laquelle il faut retirer le produit. Et là, nous sommes dans l'hypothèse qui s'est approvisionné dans une structure. Mais dans les médicaments de la rue, vous avez aussi des médicaments qui ne contiennent rien de ce qui est annoncé. Autrement dit, des médicaments qui n'ont rien à voir avec le mal qui sont prédestinés à
soigner. C'est exactement ça. Beaucoup d'entre ces médicaments-là, c'est de la farine de blé comprimée. C'est de la farine de blé comprimée. Dans des conditions qui ne sont pas contrôlées. Ça, c'est autant de risques auxquels un patient, un malade s'expose quand il va payer. Bien sûr. En bordure de la route. Bien sûr. Donc, il peut tomber sur des médicaments de bonne qualité, mais le fait que ces médicaments ne soient pas conservés dans une atmosphère propice, cela altère la capacité du médicament à faire face à la maladie. Pire encore, cela développe d'autres facteurs qui peuvent empêcher d'autres maladies plus tard chez le patient. Ou encore, le dernier élément, c'est qu'il tombe sur un médicament, sur quelque chose qui n'est ni un médicament, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un médicament. Et cela pourrait également avoir d'autres impacts sur sa santé. Mais docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des produits de sous-dégradation. C'est quoi un produit de sous-dégradation? Un produit de sous-dégradation est un produit qui est issu de la dégradation du principe actif. Le principe actif, c'est ce dans le comprimé qui soigne, la molécule qui soigne dans le comprimé. La dégradation de ce produit, de ce principe actif, se fait de façon naturelle. Elle arrive, cette dégradation, jusqu'à un seuil qui ne devient plus acceptable. C'est ce seuil-là qui fixe la date de péremption du médicament. Maintenant, ce qui se passe, c'est que parce que le médicament a été mal conservé, le produit s'est dégradé de façon accélérée. Cette dégradation-là, donc, va entraîner d'autres sous-produits, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ces sous-produits-là, donc, en certaines quantités, peuvent avoir une nocivité pour la santé.